Ma Mission TV, le miroir du monde. Je m'appelle le professeur P. Je suis par le Seigneur, en cause au directeur général du ministère public, des partis civils contre le commissaire du pionnier adjoint Balanga Nawège et Luis. Présent. Veuillez vous présenter. Si vous voulez répondre à votre question. Ok, assez très court. La date d'audience était fixée pour les 12. On m'appelle à 11h30. Moi, j'habite une ville pour arriver ici. Les avocats savent qu'ils devraient être là demain. Aujourd'hui, tous sont en audience. La partie prévenue s'est illustrée particularité dans les manœuvres, dit la loi. Lorsque je reçois les coups de fil de Madame la greffière, je suis à la cour d'appel de toute sa majesté pour une audience. Et sur cela, je rencontre un des conseils de la participation, Maître Kabou Kadé. Je lui dis que je viens de recevoir un feedback de l'audience qui était initialement prévue pour demain. La haute cour, dans sa souveraineté, a décidé de recevoir les prévenus de partout aujourd'hui. J'ai dit que je suis à la porte de mon pied. Pas mes affaires. Certainement, je me suis dit avec cette dame-là, je me demande qu'est-ce que j'étais au je suis en train de passer. Les propos qu'il a pu relever tout à l'heure, ce sont les propos que Maître Laurent m'a dit au téléphone. Oui, il ne faut pas être là, aller tout simplement exposer la non-saisie de la vie. Donc ce qu'il dit est vrai. Non, ce n'est pas vrai. Vous les connaissez vous-même. Les messieurs là. Moi-même, je suis étonné de tous les avocats de la partie qui sont là aujourd'hui. Mais vous avez, vous dites que vous avez informé vos avocats. J'ai informé les avocats. Ah, ils ne sont pas là. En état, moi-même, à 11h30. Jusque-là, je ne saisis pas la demande de la partie civile. Je veux quoi dire. Vous avez notifié pour les mêmes. On a vu ce qu'elle pense. C'est la partie civile, je ne sais pourquoi, qui ne veut pas en recouvrir. Alors il y a eu trois remises successives. Je pense que tout ce qui est. Mais vous-même, vous l'avez dit que vous l'avez voulu avec qui bonjour. La date est la 12. Nous, tous, la partie civile, la partie prévenue, la partie civile de la responsable, nous sommes là. Nous sommes là tous. Il y a un confrère, Maître Jonathan Noué, qui envoie le message à Maître Jorion Koko, mais il même le client qui vient de l'attendre. Elle vient être présente aux audiences. Demain, nous allons seulement demander la liberté des femmes. Il y a aussi la liberté. C'est à la cour de s'assumer. C'est la cour qui nous a appelés. Nous sommes là. C'est à vous de vous assumer. Mais il n'est pas question de remettre l'affaire au-delà du tout. Il n'est pas question. Ma Mission TV, le miroir du monde. Moussangu, Moussangu. L'audience est de prise. À mon pied.
À vos ordres, mon général. Armo, pied. Hip. À la lecture de l'extrait des votes de l'audience de CGU. Public de la haute cour militaire de CGU de ce mardi 11 janvier 2022. Siégeant en matière répressive au premier degré dans la salle habituelle de ces audiences publiques situées au rez-de-chaussée du nouveau palais de justice, au croisement des avenues de Batoni et Pumbu à Kinshasa-Bongo. Affaire en continuation, RP numéro 018-21. En cause, l'auditeur général ministère public près la haute cour militaire et parti civil M. Lundulanga Montela Toussaint contre le commissaire divisionnaire adjoint Palamba Nawe Gervis, poursuivi pour homicide involontaire, fait à Kinshasa le 11 janvier 2022 par le colonel Lali Azizak, préfet principal à la haute cour militaire. J'appelle en cause RP 018-21, en cause au directeur général du ministère public, des partis civils contre le commissaire divisionnaire adjoint Palamba Nawe Gervis. Présent. Veuillez vous présenter. Ni répondre à votre question. Vous êtes assisté. Je vous avoue. Matadiwa, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État, assiste l'accusé conjointement. Défense conjointe, Maître Étienne Lombela. Je suis avocat au Congo central et à Kinshasa Matete. Défense conjointe. Conjointement avec Maître Ghislain Okito Okenge du barreau à la Cour d'appel de Koyo. Conjointement avec Maître Christophe Nkini, je suis avocat au barreau du Congo central. Défense conjointe. Défense conjointe avec Maître Longanio Chichéric, je suis avocat au barreau de Koyo. Conjointement avec Maître Jorin Fonokoko. Conjointement avec Maître Ngoïtame. Conjointement avec Yann Bissalou. Je suis avocat au barreau de Kinshasa. Parti civil, puisque nous l'avons. Vous pas cité. La date d'audience était fixée pour les 12. On m'appelle à 11h30. Moi, j'habite une ville pour arriver ici. Les avocats savent qu'ils devraient être là demain. Aujourd'hui, tous sont en audience. Fixer l'audience à mercredi. C'était un malentendu parce que les instructions qui avaient été données et qui avaient été communiquées à toute la composition, c'était que l'audience aurait lieu le mardi. En raison du fait qu'un membre de la composition va s'absenter pour au moins 3 semaines de la visite à partir de demain. Voilà les embouteillages sur la révolution qui est. C'est une audience qui a été aurait dû se tenir depuis très longtemps. Donc, très longtemps. Mais vous savez quand même les dictatoires que la partie prévenue présente ici était au début. Comment? Les dictatoires que la partie prévenue ici était au début de l'audience. L'audience avait déjà terminé. Ils sont conscients de tout ce qui est prévenu. C'est la même chose. L'audience qui devait se tenir aujourd'hui et non le mercredi. Et vous savez qu'à chaque fois que l'audience est sûre, les familles. Honorable membre du ciel, monsieur de l'application, lorsque je voulais faire observer à l'attention particulière de notre comité, lorsque je reçois les coups de fil de madame la greffière, je suis à la cour d'appel de Kinshasa Matete pour une audience. Et sur là, je rencontre un des conseils de la partie civile, Maître Kapoumou Kadé. Je lui ai dit que je viens de recevoir un feedback de l'audience qui était initialement prévue pour demain. La haute cour, dans sa souveraineté, a décidé
de recevoir les prisonniers de partir aujourd'hui. Il a dit, bon, dans ces cas-là, on va se battre pour y arriver. Et lorsque j'ai quitté le conseil de l'ordre, il me passe le téléphone de mettre les coups de fil de mettre Laurent au Mérangère. Il m'a dit qu'il se trouve au niveau des marchés pour des raisons de santé liées à son grand frère. Mais quand nous sommes arrivés ici, Maître Kapou Kaler venait d'arriver et qu'il s'entretenait avec le client devant le bal. Après m'avoir dit, viens te commis quand même. Après nous avons vu le confrère Femme, l'avocat, qui est arrivé, et notre confrère. Ils étaient avec le client à l'extérieur. À l'extérieur. Et les propos qu'il a pu relever tout à l'heure, ce sont les propos que Maître Laurent m'a dit au téléphone, que nous ne devons pas être là, aller tout simplement exposer la non-saisie de la loi. Il dit, mais ce sera difficile parce que la non-saisie, c'est un problème, ce sont des problèmes de mémoire. Ce sera difficile, c'est une question de la saisie, des moyens liés à la saisie de l'évaluation militaire, il faudrait que les moyens. Mais par rapport à la justice, nous devons y être là. Mais trois conseils sont extérieurs. Venez d'échanger avec les clients, peut-être que c'est là les concepts que vous avez suivis mettre dans la bouche du client en disant non, je comprends sous réserve de la suite de votre mission. Et ça, c'est professionnel, c'est l'avocat. Non. Non. Donc, mais indépendamment de tout ça, on vous a même dit ici, sans vergogne, que les parties, la partie prévenue s'est illustrée, particularisée dans les manœuvres dilatoires. Bien au contraire, nous sommes en train de chercher ce moment à corps et à cœur. Et nous avons toujours coopéré avec la justice pour l'issue de ce procès. Mais indépendamment de tout ça, nous sommes en face d'une question qui a été réglée par la Constitution de la République, qui dit à son article 19, alinéa 2, que toutes les personnes ont droit à ce que toutes les personnes ont le droit de se défendre elles-mêmes ou de se faire assister d'un défenseur de son choix, et c'est à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction judiciaire. Donc, c'est une question qui est réglée. Mais dans le dilatoire, c'est la partie civile qui s'entretient avec ses avocats et qui sont dans la cour de l'autre cour militaire, dont l'incapacité cette fois-là de rencontrer la défense, autant la fait, l'avait fait, en son temps le ministère public de l'accusation. Plus tard qu'aujourd'hui, pendant 4 millions, vous avez mis. Est-ce que c'était du fait de la partie civile, partie prévenue, ou c'est du fait de l'accusation, du ministère public? Oui. Nous estimons que vous avez fait l'application d'article 19 en général de la Constitution. Oui, j'ai appelé les greffiers pour me rassurer qu'il avait atteint le parti de manière à ce qu'elle vienne. Les greffiers étaient dans mon bureau. Je lui ai d'abord demandé de me passer le numéro de mettre le nom. Elle m'a donné un numéro. Mais quand j'ai appelé, ce n'était pas Maître Lombella que j'ai eu, mais j'ai eu votre avocat. Moi, c'est moi comme ça. J'ai dit que je suis à la poste militaire. Pas mes avocats. Certainement, je me suis dit avec cette dame-là, je me demande qu'est-ce qu'elle a fait. J'étais quelque part, je suis en train de passer. La dame l'a condamnée. Elle n'était même pas au courant que les procédures ne se passent pas. Moi, je suis étonné de tous les avocats de la partie civile, la partie prévenue sont là, aujourd'hui. Mais vous dites que vous avez informé vos avocats. J'ai informé les avocats. Ils ne sont pas là. En retard, on m'a appelé à 11h30. Vous greffiez. Noter. Vous veniez d'audience à mes étudiants ce mardi et elle en a informé ses conseils. Notez ça, que les conseils ont été informés. En retard. Vous
Est-ce que vous vous êtes entretenu avec maître Kapoko? Non, je lui ai dit seulement bonjour. Vous avez dit bonjour à maître Kapoko? Je l'ai ici. Ah, tu l'as vu ici? Je lui ai dit bonjour. Donc ce qu'il dit est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Vous le connaissez vous-même, le monsieur là. S'il y a une audience ou pas, il n'y a pas une chaîne de vous dire n'importe quoi. Alors que il y avait audience. Qu'est-ce qu'il fait nous dire? L'avocat était ici parce qu'il n'a pas. Il est venu, il y avait une autre audience ici. Vous lui avez dit que nous avons audience. Je lui ai dit ça ici. Et on a dit que voici l'exploit. Par respect pour la cour, cet avocat serait venu pour éventuellement. Solliciter, tu me faut des revenus au cours. Il tourne les dos, il s'en va. Non, il m'a dit qu'il est allé à la justice. Il va d'abord pour que nous allions la République. Vous aviez cité la République dans cette cause. Il faudrait maintenant que vous puissiez dire à la République qu'est-ce que vous lui reprochez et qu'est-ce que vous lui réclamez. J'ai appelé la haute cour, lui demandant si la République était notifiée et si l'audience est confirmée pour le jour de mai. On m'a dit que c'est pour le jour de mai, mais il a dit à la justice avant même que je sois là. Aujourd'hui, on arrive à 11h30, on m'appelle pour dire là-bas. Il y a audience d'urgence et j'informe mes avocats. J'informe mes avocats à l'urgence. J'ai quitté là-bas, j'arrive ici. En autant, je vais rappeler, je t'appelle ici, j'arrive ici, j'appelle tous mes avocats, ils sont. Je pense que depuis qu'on a évité les audiences, c'est une des affaires qui sont toujours présentes. Ils vont se dire, c'est la première fois. Jusque-là, je ne saisis pas la demande de la partie civile. Je veux quoi exactement? Je demande que nous avions notifié pour les mêmes rites. On a tout ce qu'ils vont se faire. Décider effectivement la partie civile s'est fait accompagner d'avocats tout au long de ce procès, aucune vraie arme n'a laissé à la personne. Je crois que l'administration de la justice, il n'y a pas d'inconvénient qui lui soit fait pour préserver ses intérêts parce que vous êtes là pour que les droits de chacun soient préservés. Si la sagesse d'un coup sera dans le sens du fait de la partie civile, et nous allons demander de faire une remise pour la date après le 25 janvier. Pour la simple raison que j'ai dit le vendredi, sauf mission contraire, le magistrat est suprême, le pouvoir est suprême, nous avons fait d'autres missions en dehors du pays. Alors, on ne voit pas. Bien qu'il ait le privé d'être en liberté, il est libre de ses mouvements, il n'est pas en détention. Donc il n'y a pas de soucis à notre niveau pour que dans votre sagesse habituelle, vous puissiez coordonner les mises, pour que toutes les factures soient à l'aise quand vous allez les écouter. Nous avons. Monsieur le Président, Madame et Monsieur de la Cour, nous tous, la partie civile, la partie prévenue, la partie civile par responsable, nous sommes là. Nous sommes là tous. Pour une audience qui devait, sur remise, avoir lieu demain. Nous sommes là. C'est la partie civile. Je ne sais pourquoi qu'il ne veut pas en découvrir aujourd'hui. Alors qu'il y a eu trois remises successives pendant lesquelles on aurait pu vider l'affaire, mais le ministère public n'était pas disponible. À cette audience-ci, si vous voulez appliquer la Constitution, maître Pierre vous a dit. Comme la partie civile est là, elle est là, elle n'a qu'à dire à la cour
quelles sont ses prétentions. Les arguments, ce n'est pas un parti civil, c'est le ministère public. Les arguments à l'appui desquels la demande de la partie civile est faite, c'est le ministère public. Ce n'est pas la partie civile. En tout état de cause, vous recevez la mauvaise foi des confrères de la partie civile qui nous envoie des messages même. En nous disant, bon, écoutez, aidez-nous demain, nous introduisons une demande de l'ouverture des débats. Nous avons le message. Bon, alors, je ne monopolise pas la parole, c'est à la Cour de s'assumer. C'est la Cour qui nous a appelés, nous sommes là, c'est à vous d'assumer, mais il n'est pas question de remettre l'affaire au-delà du tout. Il n'est pas question. Merci beaucoup. Je vais prendre la parole après M. le Parti national, mais si vous le permettez, il y a un confrère, Maître Jonathan Ouéré, qui envoie des messages à Maître Jorion Koko, mais et même les clients viennent de l'attendre. Elle veut bien être présent aux audiences. Demain, nous allons seulement demander la liberté des femmes. Il y a aussi la réponse. Il y a aussi. Ah oui, demain, nous allons seulement demander la liberté des femmes. Il y a aussi la réponse. Et la République est défendue. Donc, moi, je voudrais ajouter en disant que les couples pénales, c'est le ministère public et la partie privée. La partie civile vient se greffer pour la réparation civile. Et la loi va même être loin. Qu'on peut nous mettre à lieu d'office des dommages intérêts. Ce qui fait qu'au regard même de la volonté du législateur, c'est un rôle minimal pour cette partie dans le cadre d'un procès pénal. Et aujourd'hui, imaginez que vous m'avez appelé, j'ai répondu, j'ai dit, je viens d'appeler M. le Parti national, nous allons nous déployer, nous devons coopérer avec la justice de notre pays pour aboutir au terme de ce procès. Nous sommes les ministres. Mais la partie présente du civil reconnaît la présence de ce conseil dans la salle, et Maître Jonathan, donc Khaled Kapoukou, discuter avec lui en cause devant les salles, après m'avoir salué le vieux de commis. Je suis sûr que je comprendrais qu'on ne peut pas lui dire pas de cela. Un minimum de respectabilité aux règles de l'autorité. Et les avocats vont faire dire des mots à une partie au procès. Non, j'ai comparé sous réserve la saisine. Je ne sais pas comment vous allez juger de ces réserves-là, parce qu'il s'agit d'un moyen concernant la régularité de votre saisine. À la base, il n'y a pas un mémoire, je me rappelle, également dans le cadre de ce procès. Lorsque notre client était appelé lors de la cérémonie des plus d'art, où nous avons comparé sur les ailes de la saisine de votre haute juridiction, vous nous avez rappelé que maître, il faut déposer un mémoire unique et aller dire à votre client si à l'audience prochaine il ne comprenait pas, il sera fait acquittatif de la justice sans garantie de la loi portant que judiciaire militaire. Donc, s'il faut juger, vous je suis bas avec moi. Parce que, à la base, ces documents ne figurent pas dans votre dossier. Deuxièmement, monsieur le maintenant en la conscience, ce n'est pas moi qui l'écrite. La conscience donne deux possibilités. Soit que Paul dit défense avec soi-même, et il défense avec autrui. Soit que l'on se défend personnellement, individuellement devant le juge, soit que l'on est assisté. Mais ici, vous avez compris que les conseils ont refusé
ont refusé d'assister les clients. Et mettons en cause l'honneur, le respect que nous avons décidé lors de notre serment de respecter les cours de l'Union de la République démocratique du Congo. Donc nous voulons vous demander, enfin, vous avez suivi le ministère public qui nous a venu maintenant ce jour, on ne devrait pas être à tout le monde. Vous dire que s'il faut le mise, c'est au-delà du personnage. Les prévenus en liberté, ils peuvent vaquer librement ce qu'ils veulent. C'est comme si le seul ne sert pas de la réalité du danger et de la gravité de la menace, de la douleur de l'objection. Deux ans, jour pour jour, il a été pu se vaquer dans la liberté. Sans répondre de cette fois, il a été engagé pour la part de la République. Nous assurons que toutes les parties sont là, elles sont présentes, et que votre office est toujours, conformément à la Constitution et aux lois de la République, invite cette partie de demander ce qu'elle veut demander à la partie, civilement responsable de la République démocratique. Nous avons dit. Vous seriez devant un problème. Vous seriez devant un problème si une partie manquait à cette audience prévue pour le 12. Vous seriez devant un problème. Est-ce qu'on l'a fait cette partie-là? Un problème. Mais toutes les parties sont là. Toutes les parties sont là. Tirer les conséquences du droit. La partie civile maintient sa convention, vous serez dit, et vous donnez la parole au ministère de l'Union pour ses réquisitions. Merci beaucoup. Oui, c'est terminé. Vous avez quelle est la place que vous occupez dans ce dossier? C'est pour la première fois depuis l'ouverture de l'audience ici que nous avons pas son garçon. Mais ce qui surprend, c'est quand on nous apprend que vous avez eu à vous entretenir avec l'un de vos avocats. Je pense que tout ce qui est vous. Mais vous-même, vous l'avez dit que vous l'avez voulu avec dit bonjour. La date est là, les 12. Là, pour la date, je n'en discute pas. A parlé avec l'un de vos avocats. Monsieur Toussé, est-ce que c'est normal? Vous venez pour une audience, pour dans une affaire où vous êtes assisté par Maître Caleb. Vous êtes devant la salle d'audience. Maître Caleb passe, vous vous limitez à lui dire bonjour. Est-ce que ça c'est normal? Je pense que à chaque fois. Est-ce que vous... Moi je passe l'année 4. Est-ce que vous l'avez appelé avant de venir? Je n'ai pas appelé le détail. Moi j'ai appelé le maître qui se trouve en Malibu et puis maître le voyant. J'ai appelé seulement les deux maîtres. Oui, ce sont les préséants. Ce sont? Les préséants de. Mais ça ne vous concerne pas, les préséants. Donc, quand on dit que ça fait 2 ans, 3 ans, si demain il y a des éléments nouveaux qui dépendent du métier de débat, c'est pour ça que dans la procédure, il n'y a pas de soucis. Hein? Donc, il y a personne qui est indispensable, si c'est telle raison, nous sommes tous des fédérés. Vous pouvez assumer des responsabilités, bon, bien sûr. Mais si vous laissez d'autres ressources, vous avez laissé déjà beaucoup. Donc, il n'y a pas de préoccupation parce que quelqu'un fait 2 ans, ce n'est pas arrivé, et puis ce n'est pas votre coup qui a demandé qu'il fasse, ça s'en sert. Merci. Mais il faut d'abord lever cette réserve. C'est sous réserve, on peut considérer que vous ne comparaissez pas, vous n'êtes pas là. Non, on a des termes juridiques qu'on emploie dans les débats. Il faut que les avocats soient là. Donc, vous êtes là. Par contre, vous comparaissez, mais vous demandez à ce que. Suivez, monsieur Toussaint. Vous me suivez. Quand moi je parle, vous vous taisez, vous suivez. Ah, ok. Donc, vous retirez cette réserve, vous comparaissez personnellement et vous demandez à ce que. Vous sollicitez une remise pour permettre à ce que, à la prochaine audience, vous soyez assisté de vos avocats. Yes.
peux les dire. C'est pas ça, c'est les effets des gens qui ont fait. Mais c'est tout ça. Tout ça. C'est quoi la c'est, ça ne va pas. Il n'y a pas de la chamaillerie. On ne se chamaille pas. Vous demandez la parole, on vous l'accorde. C'est moi qui suis. Voilà. On va arrêter le débat. La Cour voudrait que toutes les parties se défendent à armes égales. Elle décide donc de renvoyer la cause à demain. Donc, nous nous retrouvons demain. Je voudrais te rassurer que la partie civilement responsable connaît le dossier. Et que vous allez nous présenter vos conclusions, en fait, c'est à ça. Hein? Vous aurez avant cela à suivre les conclusions de la partie civile. Et après, le prévenu, vous interviendrez pour présenter vos observations et conclusions. Ok. Voilà, donc M. Logan, la loi, nous renvoyons demain. Voilà. À quelle heure? Le après-midi. Ok. Ok, donc nous renvoyons la cause à l'audience de demain, demain mercredi 12 janvier, à partir de 11h. 11h. Je ne sais pas. Police. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général, l'audience de ce jour est suspendue. Mission TV, le miroir du monde.